Guillaume en Égypte est là, tranquille, près de nous. Quand il ne se balade pas dans la rue, il rentre chez lui. Il est le porte-parole du cinéaste Chris Marker, qui pousse la discrétion jusqu'au secret. Le chat orange représente celui qui veut planquer son visage. Le désordre de son atelier est magnifique. Ce déballage indescriptible, ce sont ses sources d'inspiration, les choses qu'il accumule et ses outils pour fabriquer des films documentaires qu'il nous écrit de pays lointains ou dans la proximité des grévistes et des manifestants. Il y a des photographies de femmes avec une touche de mystère ou sublimées par un écho. Il a publié des livres. Il a aussi réalisé des films de fiction beaux et inclassables comme La fameuse jetée et Level 5. Voici la face cachée du travail de Marker, les fils secrets du labyrinthe de son œuvre. Chris a filmé des chats perchés et des cinéastes qu'il affectionne, Tarkovsky, Medvekin et Kurosawa quand il tournait Ran. Il est devenu ami du compositeur Takemitsu. À part les chats, japonais ou pas, il y a un hibou bavard et des chouettes. La chouette, fondatrice du savoir dont Chris nous transmet l'héritage. Quant aux informations, elles arrivent de partout. Oh, c'est quelle station, ça? C'est l'Al Jazeera anglais qui est de loin la meilleure chaîne d'information permanente. Ils ont tout piqué à CNN, mais en mieux. Et pourquoi tu en voulais deux? En noir et blanc et en couleur? C'est un problème, je ne sais pas pourquoi la couleur ne passe plus sur mon moniteur. Chris les récolte et les a pour un temps commentés en dessins et collages pour une revue du web, Poptronics. Ou plus directement. Le t-shirt. C'est moi qui l'ai fait. Oui, ça je sais. Je l'ai mis en vente, on l'a vendu et tous les bénéfices ont été à la campagne d'Obama. Donc j'ai participé. On se souvient de l'élan de joie quand Obama est devenu président. Mais Chris me montre d'horribles images que les ennemis d'Obama ont fait circuler. Tous les républicains qui ont dit que toutes les armes étaient possibles, ils ont fait toute une série de trucs sur le thème Obama, communiste, dangereux. Pour l'enterrer, Staline, il faut le faire. Tous les grands tyrans du 21e siècle, et Obama qui conclut la série. Il collecte aussi des archives historiques. Et alors ça, c'était quand j'étais encore dans l'armée américaine et qu'on recevait chaque semaine des exemplaires un peu plus petits, voire réduits. Et ça, c'était le tout premier de la série, c'était la fin de la guerre au Japon. Simplement, ils ont changé le système. Là, c'était vraiment élémentaire. Alors que là, c'est exactement le même, tu vois, qui remplace à chaque fois. Bon. Et le dernier, la semaine dernière. Mais c'est les vrais. Bah, évidemment, c'est les vrais. Pourquoi tu crois que toujours tout est faux ici? C'est pas faux, mais c'est que Marker a une double vie. Ou plutôt, il existe ailleurs, de façon virtuelle, dans Second Life. Sur un archipel créé par Max Moswitzer, dit Mos Max Axe. C'est un lieu dit l'ouvroir. Saluons les avatars de Max et de Chris. Le grand type au pull blanc, c'est Chris. Il parle avec une chouette. Il danse avec son double. Je suis entrée dans la danse, d'autant que dans cet archipel virtuel, il y a un pavillon, inventé par Lucien Boukmitz, où trône mon oncle Yanko, qui était peintre. La peinture, au fond, rivalise avec la splendeur de l'oiseau et l'opulence de la mer ou de tout paysage, mais les surpasse.
Oh, que je voudrais que entre ce qu'on conçoit et ce qu'on exécute, il y a tellement, il y a la tragique différence. C'est comme de la coupe aux lèvres, il y a l'amertume, l'ombre tombe. Un petit tour dans le musée imaginaire dédié à Barker. Oh, c'est gigantesque, un peu effrayant. Je tombe dans un trou, c'est vertigineux. Je vais demander à Guillaume de me jouer un peu de piano, ça me remontera. La fugue du chat de Scarlatti. Quand vraiment Guillaume est très fatigué, il se relaxe avec le sofa-chat. Et alors quand il a besoin mais alors de vraiment se relaxer, relaxer, alors là il se met complètement à plat ventre sur le chat-sofa et il se sent bien que tu peux pas savoir. À mon tour de tâter du chat-sofa. Et puis comme souvent, je vais regarder la mer. Et ici, ce jour-là, ce n'est pas un fleuve qui se jette dans la mer, mais la mer qui se jette dans la Loire.